Sheldon. Ah! C'est sympa d'être passé, fiston. Alors, t'es enfin décidé à rejoindre le combat pour Medici. Écoute, avant qu'on se mette vraiment au boulot, j'ai quelque chose à t'avouer. Je suis qu'une vieille ordure doublée d'un renégat. C'est vrai. J'ai trahi un sacré paquet de tyrans qui me prenaient tous pour leurs meilleurs potes. Mais au final, Rico, je fais confiance qu'à trois personnes. Ma pomme, évidemment, l'oncle Sam, et toi. Écoute, gamin, on peut pas dire que je sois toujours super réglo. Mais je te trahirai jamais. Je sais, c'était Zino. Je le savais! J'ai toujours su que ce pétochard de traite de mes deux finirait forcément par nous causer des problèmes. Tu sais, Sheldon, un jour je vais te demander comment ça se fait au juste qu'on soit rencontrés sur ce bateau la nuit où mes parents sont morts. Et je sens que ta réponse va pas vraiment me plaire. Oh, Dima! Qu'est-ce que tu fais ici? Rosa m'a demandé de venir. Elle m'a dit où aller. Mais comment? Sheldon. Oui, Rico? Tu lèches déjà les bottes de la nouvelle dirigeante de Medici. Oh, allez, mon pote. Tu sais très bien que c'est trop tard pour me faire changer. Quoi, Rosa Manuela défend la liberté. Et la liberté, c'est mon dada. Bon, et si on allait arrêter cette bombe et sauver le monde? Allez, mon gars, on se remue! Les sources m'informent qu'il la charge dans un avion à destination de zones plus calmes, disons. Je propose qu'on s'invite à bord. Ces routes apparaissent même pas sur les cartes de l'agence. Ils s'y attendront jamais. J'ai un très très mauvais pressentiment. Tu sais, faudrait quand même que t'apprennes à te montrer un peu plus optimiste. C'est vrai, à la fin, t'as un parachute illimité, bordel. Et un Texan à grande gueule. Jamais arrêté. C'est notre petit Rico. Rentre là-dedans. La bombe est dans un camion à bord. Une fois que l'avion va décoller. C'est cool, tout ça.
pas mal en bombe. Bien joué! À plus tard, Rico! Oh, et merci d'avoir choisi Air Sheldon! Non! Mon plan était parfait! Vous êtes la force militaire d'élite privée la plus compétente du monde entier! Comment pouvez-vous rater un gamin pathétique, armé d'une corde et d'ailes de piaf? Je vous l'avais livré sur un plateau. Et maintenant, il croit que je cherche à fuir Medici comme le dernier des dégénérés. Non! La flamme bleue du Bavarium dévastera le monde. Et je refuse de perdre Medici et ses précieuses mines simplement parce que vous êtes stupide. Regardez ce que vous me faites faire! Nettoyez ça. Bien sûr. Les rebelles. Ils attaquent librement. Et puis ils détalent à travers le mur. Attaquez-les. Je veux que les rebelles sachent que vous arrivez. Vous, envoyez l'élite. Sortez cet idiot de Zino de leur prison. Je veux savoir absolument tout ce qu'il sait. Je tiens à m'assurer que Rodriguez n'apprendra jamais rien de ce poltron stupide. Et si vous voyez cette menteuse de Rosa Manuela, je vous prierai de l'abattre. Ne me décevez pas.